et ici par où. Bonsoir à tout le monde. C'est une très grande joie pour nous de vous savoir nombreux dans notre localité, de vous voir heureux chez nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis non seulement par sa grâce que nous puissions être les élus du jour, c'est-à-dire avoir la grâce d'avoir ce jour. Il vous a conduit de divers horizons sans accident ni incident. Il a permis qu'ensemble nous puissions réussir cet événement à sa juste valeur qui est l'innovation de ce forage. Sur ce, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons le bénir. Nous allons rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur qui a permis que cet événement puisse avoir lieu soit glorifié à la dimension qu'il mérite. Qui vous bénit. Éternel Dieu de gloire et de bonté, éternel Dieu d'amour, Père de grâce, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous te bénissons, ô éternel, notre Dieu, notre Père, de ce que aujourd'hui encore, Seigneur, tu montres à ce village, à cette localité de Bonnefoupa, combien de fois, ô tu es amour, combien de fois, Seigneur, notre Dieu, tu planifies, Seigneur, notre Dieu, les bonnes choses pour ce village, tel que tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que tu ne formes que les projets de Père de bonheur pour tes enfants. Père, tu sais combien de fois la vie est importante, Seigneur, notre Dieu, pour ta créature. En ceci que, Seigneur, notre Dieu, la vie se manifeste au travers de l'eau, parce que toi-même, tu as dit, et tu as suscité cela aux penseurs qui ont dit, l'eau, c'est la vie. Père, c'est cette vie en abondance que tu donnes à cette localité. Beaucoup en ont besoin, Seigneur. Beaucoup de kilomètres sans avoir de l'eau et de l'eau potable. Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Te disons merci pour des âmes, pour des personnes que tu touches chaque jour, afin qu'ils posent cet acte de charité au Père éternel, notre Dieu.
pour que Seigneur notre Dieu nous ait de l'eau en abondance. Te disons merci pour les élites, Seigneur notre Dieu, à qui, Seigneur notre Dieu, tu donnes la possibilité de fructifier des techniques et des stratégies pour qu'il y ait de l'eau en abondance dans ce village. Nous te disons merci, Seigneur, de cette eau, au Père éternel, notre Dieu, dans ce village. Permets que cette eau, Seigneur, telle que tu l'as dit dans ta parole, qu'elle soit une eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. Afin que tous ceux qui sont et qui habitent ce village, tous ceux qui vont passer, tous ceux qui vont emprunter les chemins de ce village, Seigneur, notre Dieu, bénéficie de cette eau et que cette eau jaillit jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus. Savagna Georgia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe associatif, apolitique, à but non lucratif, purement caritatif, avec une mission sociale très forte. Ça regroupe les ressortissants Sawa qui résident dans l'état de Georgia. La mission sociale de ce groupe, c'est d'aider au développement des régions Sawa au Cameroun. Et c'est dans le cadre de cette mission sociale que les membres de cette association à Atlanta, aux États-Unis, ont voté à l'unanimité que le projet d'eau doit venir dans le village de Bonepopa. Quelqu'un l'a dit avant moi, d'autres l'ont dit aussi plusieurs années avant moi, que l'eau c'est la vie. Et en tant que médecin, je peux le confirmer. Amen. Donc, peuple, brave peuple Sawa de Bonepopa, je vous prie d'accepter ce don venant de l'association Sawa Niagoya. C'est l'occasion pour moi ici de remercier toutes les âmes de bonne volonté qui ont contribué financièrement et de toute autre manière à la réalisation de ce projet. Les gens aux États-Unis et les gens localement au Cameroun. Je ne veux pas citer un nom pour ne pas offenser d'autres. Je sais que beaucoup ont contribué, chacun à sa façon. C'est pour ça que nous sommes ici pour célébrer cet ouvrage. Pour leur honneur, je veux parler en anglais. Bon, je vais dire quelques mots en bassa ou bien en français pour vous remercier parce que c'est un privilège d'être au village parmi vous. C'est une grande joie pour nous d'être ici aujourd'hui. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Je vous remercie en tant qu'enfant de ce village d'avoir accepté notre humble offre. Amen. Now I'm going to speak in English to honor the people of Sawa, not Georgia, that has contributed in any way of the other. As a child of this village, it is a privilege for me to be here today among my people. It's an honor. I'm so grateful because all of you, Sawa people of Georgia, you have accepted for this project to be here in my village. Amen. So many other people wanted to have it realized in their village, but it did not happen. Amen. You have focused in my own village. Amen. I'm very humble and I'm grateful for your love for me and my people and your kindness. I pray that the Lord that has blessed you to bless this village continue to bless you abundantly. I'm just so overwhelmed with joy. And I know my mom and my parents were buried here. I know they can return themselves in their
grave today. Mm-hmm. And I know they are here. Mm-hmm. They know I am here today. Yes. Among you. So I'm so grateful and I'm just returning you the blessing. Bonjour, Bailly! Bonjour, Bailly! Bonjour, Bailly! Bonjour, Bailly! Ngeda imakola la bongalo puwe abong mamala iholo sloye eyule yani tano madate bisasa bibaso bode abong mamalo puwe nike bagila ibong mamala nyuloye iyule yani Je suis très content parce que c'est une action de développement une fois de plus dans notre village. Et particulièrement ma soeur, mon sang, je dis un grand merci. Merci pour l'association Sawanya Georgia qui, dans le choix multiple, a choisi le village Bonnepoupa. Merci particulièrement, je vais le répéter, pour le couple Monsieur et Madame Bakinde qui ont priorisé le village Bonnepoupa, qui est le leur. La communauté Bonnepoupa est très fière. Chez nous, habituellement, lorsque nous disons merci, hein, ça veut dire que... Donc, Mombo, nous vous prions et tous nos ancêtres qui sont là, parce que chez nous, les hommes ne meurent pas, mais ils dorment. Ils sont très fiers de vous. Ils sont très fiers de vous parce que c'est des actions que nous recherchons pour toutes nos élites. Vous êtes un modèle à suivre. Dans les poches qui sont à côté là. Cela est dans le sac là. Bonjour, Bailly. Bonjour, Bailly. Bonjour, Poupa. 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 Il soulève, non, vas-y, soulève. On apporte un verre, on cherche un verre. Majesté, c'est bon. Non, laissez, il ouvre juste. On applaudit quand il va soulever. Quelqu'un pour pomper l'eau. Il t'a forage. Il t'a forage. Ok. Bande de bénin, on est mal pam. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Ok. La soeur t'a mal épé. Ok.
Attends, je vais te boire. Vous êtes dans le bloc 5e. De quel village? Du village Bonepoupa. Alors, comment est-ce que la population vivait avant? Avant que je vous dise comment la population vivait avant, je donne d'abord mon nom. Je me nomme Soussou Gabriel. Je suis notable de ce village. Bon, mais chef de bloc. Voilà. Mon bloc avant avait beaucoup de problèmes pour l'eau. Parce que pour trouver l'eau, il fallait qu'il fasse des kilomètres. Et n'importe quelle eau qu'il trouvait là-bas, il fallait qu'il la puise. Et il la consomme. Les conséquences, quand ça vient, les maladies et beaucoup de choses, on supportait puisqu'on n'avait plus d'autres moyens à faire. Quel sentiment qui vous anime en ce moment, qu'on vous a produit, on vous a fourni? Très content, très content. Si vous avez un message à l'endroit de cette association, c'est lequel? Oui. Qu'est-ce que vous direz à ces... Je dis d'abord que mon contentement est de ma bloc. Ce n'est pas moi seul, mais tout mon bloc est fier. Bon, pour envoyer la nouvelle, je commence d'abord à les remercier. Et je leur dis en plus... Il faut qu'ils continuent. En continuant, je pense qu'on aura encore beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Nyambe mayigale, en bon bolé, babana mahongoma. Bakonde ki bana mahongoma, nyule gwambie binganda bimbirale, bakonde bon na longis. Donc, nyambe asaya bo. Bakonde ba peri yara. Gondiam Lindum, Baba Pig Yara, I hung along Yabna. You let long inni, yon be guanwa. Long in wa way inni. Don't do we, Abana Mahongo Malam, I hung up biski and boro. A wa bang. Man, you are letting Timmy Hovenu forage, Ibuni Pupa. In con my sing and annual Buraba Baguin Durunganda ab my lip. Don't get a mamma, my baby Munu, I be in a problem, my living and that Jordan con my say. Il connaît du coup pour ça. Il y a un petit projet. 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 Il y a Oui, je suis le notable Daniel Mbappé Poupa. Moi particulièrement, je suis fier de ce forage pour la population de ce bloc. Parce que ce bloc était vraiment, avait ce besoin-là. Il manquait beaucoup de l'eau potable. Il buvait de l'eau de marigots et ça provoquait beaucoup de maladies. Des maladies comme la dysenterie, des maladies des eaux impures. Je suis vraiment très fier. Je suis fier de ma sœur avec son époux. Je suis fier de nos frères camerounais de la diaspora qui vraiment font tous les efforts pour penser au pays. Bon, Nabakamona, ma bande de Nouria, Taïs, on nous tourne en haut, nous voulons voir vous fouiller. Mon abonné, mon ambakamona, mon bonheur, avec Arakan, à Koulikarian et Hard. Mon hôtel, en gamin, ma bambou, qui n'est pas. Mukine bonupa, mona bonupa. Abokino, a no sakon. No ben no kondat one bekwa ke ha bonupa. Utomba bebenke. Busekima haha. Dabukamot bon manu ya hata kakun sakon. No bostonoki. No baban so nun kun west bonupa. Mubu mariba. Whatever the band and bambun follow. Soul sakunan. Abon pa me bon bodia. Nous sommes dans le village Bonepoupa, dans l'arrondissement de Dibamba. Le village Bonepoupa est composé de 6 blocs, partant du pont jusqu'à la limite avec le village Bessombe. Jusqu'à présent, nous avons déjà connu 3 forages. Et la population avait toujours souffert du manque d'eau. Et aujourd'hui, où on commence déjà à trouver un début de solution, nous disons merci à toutes nos élites.
Et plus particulièrement, à l'occasion de cette inauguration du nouveau forage, nous disons merci à l'association Sawana Georgia et particulièrement à notre fille et notre beau, le couple Bakinde. Ce don vient régler déjà le problème de manque d'eau dans ce bloc, parce que si vous constatez bien, ce bloc est un peu en altitude, distant du dernier forage de 2 km. Ce qui crée beaucoup de problèmes pour le ravitaillement en eau potable. Le village a besoin de l'électrification, d'une case de santé, parce que nous sommes distants du centre de santé le plus proche de 12 km, que ce soit partant de Lobadjek, qui est le centre dans l'arrondissement de Dibamba, c'est 11 km. Pour le carrefour Bonipupa, du côté Nkam, c'est 12 km. Donc notre besoin très éminent est celui d'un centre de santé. Le forage, c'est un forage qui a une profondeur de 70 mètres au minimum. Donc c'est un forage qui peut desservir une grande partie de la population de Bonipupa. Le choix du site de ce forage du village Bonipupa a été fait après un tirage au sort de plusieurs villages. Le projet a été présenté et plusieurs villages ressortissants des villages ont proposé les noms de leurs villages. Et c'est comme ça que mon mari et moi, nous avons aussi pensé au village Bonipupa, et puisque nous savons qu'il y a des besoins d'eau. Quand j'étais plus petite, je venais souvent ici, dans ce village, et je voyais comment ma maman avait les difficultés d'aller à la source pour prendre de l'eau. Et c'est ce visage, c'est cette image-là que j'ai vue et ça m'a rappelé. J'ai dit à mon mari, essayons de présenter un peu, parce que l'eau de forage est beaucoup plus propre que l'eau de source. Donc présentons un peu le village, si jamais ça se passe bien, peut-être ça peut aller. Et c'est comme ça donc que le choix est tombé. Après l'étude de notre projet, nous avons présenté le projet, nous avons montré combien de nombre de personnes ont les difficultés d'eau potable ici et le risque de maladie de l'eau de source. Et combien l'eau de forage pourrait aider à réduire ces maladies-là. Donc c'est donc comme ça que finalement tout le groupe, tous les représentants de Sawana Georgia ont vu que le projet que nous avons présenté était un bon projet et que les gens avaient vraiment besoin de cette eau potable ici à Bonipupa. Et finalement, on a décidé de mettre le projet ici. The thought of this project was to help people to reduce diseases of the digestive system. So, like diarrhea, many other diseases that can affect the digestive system. That's why we decided to focus on clean water, because we know that water is life. Because these people used to get water and drink water from the river. And that water, we all know that water is not that clean. But right now, because of this project, we know that there will be less diseases. There will be more healthier. They will be healthier than they used to be because they will no longer use that water to drink. They will use this water that we brought. And we are sure that when we come here next year, we will find them less people in the hospital or complaining of GI problems. So we think that will help a lot. Yeah. Today is water. Tomorrow it will be something else. We would like, as I said in French, Cameroon is like a small drop of water in a big ocean. So this country needs to be built. This village, as many other villages in the Sawa region, need to be built, and they need our help. Those who are abroad, those who are anywhere, even inside the country, that have capability to help. So all of us, we join together to continue to find ways to help them, improve their daily life, and improve what belongs to all of us, Sawa people. Thank you. Oui, le village est organisé sur la maintenance des forages. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est notre troisième forage. Et des formations ont été faites à trois
jeunes du village pour assurer la maintenance des forages et une contribution à chaque ménage pour ravitailler la caisse de la maintenance.